Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc nous voici dans cette nouvelle aventure. On va continuer notre aventure The Last of Us. Mais avant ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les petites cloches de notification. Comme ça, vous pourrez savoir quand je mets mes nouvelles vidéos et puis les nouveautés. Bon allez, on va pas traîner. C'est parti! Bon, alors, on va aller fouiller un petit peu là autour pour voir ce qu'on a de beau. Vu qu'on est dans le théâtre, en espérant qu'il n'y ait personne qui traîne là-dedans. Alors, là, on va regarder ce qu'il y a là derrière, si on a quelque chose à récupérer. Ça a l'air d'être tout vide. Ensuite, bon, on va d'abord grimper pour voir ce qu'il y a là-bas en haut. Enceinte. Bah oui, Enceinte, elle putain. est enceinte, Dina. Bah oui. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce? Il n'y a personne dans les alentours, donc c'est déjà pas mal. Y a quelqu'un qui vit ici? Où vivait? Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? 4 septembre, avec Perez, Green et Adam, on est arrivé au poste d'écoute il y a 2 jours et tout baigne pour l'instant. Le WLF n'est pas encore venu fouiner de ce côté. Ces ordures ont envahi toute la ville. On est dû en bol monstre et en bon sens de timing pour s'enfuir du QG. Torres, Ward et les autres sont sûrement morts. On compte ici, heureux d'être en vie. 6 septembre, j'arrive pas à dormir. Fièvre de cheval, pas de médoc. On a cherché partout, on n'a rien. À part notre propre uniforme, personne nous a. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de beau? Personne nous a appelé sur la radio non plus. Combien des nôtres s'en sont tirés? 4 septembre, encore fiévreux. Pas de grosse entaille. Donc, sans doute, pas une infection. Les autres attendent la tombée de la nuit pour filer à l'ostome chercher des médocs et des provisions pour reprendre la route. Ok, ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Ah tiens, il y a un petit bout de tissu. L'alcool, je peux pas prendre parce que je suis plein. Ouais, c'est ça. Et vu que kit médical puis le cocktail Molotov, je suis à blinde. Je peux rien construire. Mais au moins, pour la suite, je suis tranquille. Du scotch, ça, je peux prendre. Ensuite, on va aller voir de l'autre côté ce qu'il y a, mais je crois pas quelque chose. Ou derrière le bar déjà. Là, il n'y a rien. Là, non plus. Je peux prendre quelque chose en bas. Non. Bon. Ah, une porte. C'est quoi ça? Employé seulement. Non, on arrive dans le poste de projection, on dirait. On a beau là en haut. Bout de câble là dehors, on va déjà ouvrir la fenêtre si on peut, parfait. Oh mais ça mouille, dis donc. Mais en face, on a une porte où on peut passer, je pense. Parfait, salle de projection. Qu'est-ce qu'on a de beau à part le projecteur? Adieu, on dirait. Alors, 3 septembre, ils reviendront pas. Soit ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. C'est pas ma faute si je suis tombé malade. Au moins, j'ai plus de fièvre, mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments aux alentours. Essayez de contacter quelqu'un sur la radio. Le 15 septembre, il pleut sans cesse, mais au moins je mourrai pas de soif. Le problème, c'est que j'ai fait planter le système. Bon. C'est comme si j'ai pas, comme si j'avais une réponse. De toute façon, le WLS ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la Fedra. C'est pas possible. Faut que je continue d'essayer.
Le 16 septembre, ils disent quoi? Comme quoi elle s'est fait tirer dessus par balle. Elle est tremblante. Elle a besoin d'une clope. Le courant est... Le 19 septembre, le courant est encore tombé. Elle va monter sur le toit pour essayer de la relancer. Bon. Donc il y a du courant. Donc on sait qu'on peut monter sur le toit pour essayer de remettre le jus. Donc c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on peut faire fonctionner cette radio. Et mais Ellie, s'il n'y a pas de jus, ça peut pas fonctionner. Faut que je remette le courant. C'est ce que je viens de dire. Bon, allez hop. On va grimper sur le toit alors. Mais ça mouille. Alors, ça c'est pour descendre. Parfait. On monte. En espérant qu'il n'y a pas de zombies là-bas en haut. D'infectés plutôt. Alors, par où? Bah, suivant le câble, hein. Une petite gênée. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah si, il a cramé celui-là. Bon sang. T'as grillé? C'était pas ton truc, l'électricité. D'habitude, électricité et eau, c'est pas bon ménage. Et hop, on redémarre la petite gênée. Ouais, c'est fait. Il y a des étincelles, c'est jamais bon, ça va jamais tenir bien longtemps. Hein. Ah, une corde source, parfait. Bon, ensuite, là, je peux pas accéder. Là, il n'y a rien de beau. Bon, on va redescendre. Hein. Là, ouais, non, il n'y a rien. Bon, on redescend. Regardez cette petite radio, ce qu'elle dit. Tiens, des C'est quoi clés. ça? Nickel. Ah, peut-être pour pouvoir ouvrir les portes en bas, peut-être. Hein. On va regarder si on peut ouvrir les portes en bas. Ah, j'ai encore pas été là-bas au fond. Mais bon, il n'y a rien à piquer. Donc tant pis. On fait comment déjà pour redescendre? Voilà. Ensuite, faut aller côté, non pas là, côté bar. Sésame, ouvre-toi. Bingo. D'accord. Bon, il y a un petit spécimen qui va traîner par là quand même. Bah non, il n'y a rien. Tant mieux, hein. Bon, on est sur scène. Waouh. Joël, ça t'aurait plu de regarder un film ici. Je m'étonne.
Alors là, il n'y a rien à prendre non plus. On va faire un petit tour sur scène. Ouvrir le rideau. On va déjà prendre la feuille là. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, c'était pour un théâtre. Génial. Le Sick Habit. Ok. Des chansons, d'accord. Bon, ouvrir en espérant qu'il n'y ait rien qui traîne derrière. Flippant. J'y crois pas. Oh, une guitare. On va pouvoir essayer de jouer un petit peu, peut-être. Accorder un petit peu tout ça, hein. Bon, alors, on va essayer de jouer. Allez, mets-toi à côté, là. Putain, allez, voilà. On dirait qu'on a fait un petit retour en arrière 3 ans plus tôt. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Où c'est qui nous emmène, ce petit Joël? Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Ah. Est-ce que c'est en un tout cabriolet? Cas, la qualité jamais. Dans laquelle nous. Est-ce que c'est un chiot? Nous avançons est vraiment c'est magnifique. Un paquet de chatons. Une texture une portée, tu veux dire. Excellente. C'est quoi une portée? J'aime beaucoup un le décor. Groupe de chatons. Il est vraiment chouette. Ah, on est coincé là. Ouh, c'est limite. Fais attention. Ça. T'inquiète. Hop. Enfoiré, il a fait exprès de me pousser. Bon, on fait comment pour remonter? X. Oh l'enfoiré. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Alors, on peut appuyer L1 pour nager. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais repousser de... l'eau avec le bras entier, bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Au moins, on a fait une petite touffe, on est sorti. Ellie, viens là, on va regarde se venger ça. Là.
Tu le vois, juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Un gros bourre, tiens, voilà. Vengeance. Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Allez, hop. Allô? On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Alors, en appuyant sur rond pour plonger sous l'eau. Bon, bah, c'est parti, hein. Regarde, parce que la jauge descend vite quand même pour l'air. Est-ce que c'est... mon prof d'histoire de 6e qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon. Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Bon, on dirait qu'il y a un petit passage là-bas, un petit triangle. Il faut passer ailleurs, donc... Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Et hop, plonger. Est-ce que c'est... une nouvelle paire de baskets? Parce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Ah, ça a l'air d'être bien glissant, ça. Viens là. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Bon, facile. À un moment donné, Gop, c'est qui t'arrête. Mais, bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD? Non, attends. Une collection de DVD? Oui. Mais, laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Alors, est-ce que je vais au bon endroit? Ça a l'air... Oh, dinosaure! Elle avait raison. Oh, j'y crois pas, Joël. Un T-Rex. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël! Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure. Ah, mais on est au musée, au Wyoming. Il est chouette. Alors, tiens, on peut regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'on va essayer? Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Et cela marqué dans son bouquin, à la fin, un petit dessin du T-Rex. D'accord. Oh, est-ce que j'arrive à grimper dessus? Ouais. Voyons voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Ellie, sois prudente. Je grimpe sur un dinosaure. Oui, eh ben justement, évite de faire une chute mortelle. Regarde-moi, je suis sur un putain de dinosaure. Wow, qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas. Trop tard. Ellie, ça me descend. Porte sévère. Allez hop, allô. Oh, que c'était bon. Plongeon dino. Oh, t'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. C'était pas incroyable? C'est incroyable que tu te sois rien cassé. Ah, c'était mortel. Bon, on va faire une petite visite privée du musée. C'est chouette, ça.
C'est quoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Bon, alors, par où va-t-on commencer cette visite ? On va faire un petit tour, il y a déjà un petit chapeau. Bah, tiens. Waouh, génial. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Et ta chapeau ? Ah, là, il y a un truc, ouais. Je sais pas si on a vraiment une tête à chapeau, hein. Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Dans le film que j'ai vu. Jurassic Park. Dans Jurassic Park. Vélociraptor ou Raptor. Bon, mis à part ça, on va continuer, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même truc. Ensuite, par où on va passer. De toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Entre ici. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zor. Un chapeau-zor. Ah ah. Ensuite. Ah, ça lui va mieux à lui. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Non. Eh, hey, Joël. Ellie. Sur la tronche à Joël. Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Ouais. Facile, comme ça. Bon, ensuite, on va continuer notre petite visite, hein. Dans des petits dessins. Triceratops signifie tête à trois cornes. Ah, pisser pour trois. T'as pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Alors, par où on va ? Là-bas ou là ? On va continuer par là-bas, on verra. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Voilà, on grimpe. On pourra aller voir plus en haut. Peut-être qu'on pourra sauter sur l'ino plus en haut. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Quel lancé. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois. Bon, ensuite. Bah voilà, tout droit. Ah, on arrive dans le planétarium, on dirait. Oh, tu savais qu'il y avait ça ? Planétarium avec des fusées, tout le bordel. Non, on peut partir. T'es bête. Hé, hey, Joël, tu connais le nom de toutes les planètes ? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là ? C'est quoi ça ? Mon Mercure, vieux Vénus,
Tonton, Der. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. Après, ah, les petites fusées. Ah, là, on va marquer quelque chose par là. On a dessiné la fusée, quoi. Les petits satellites. On dirait la station spatiale ISS. Et une capsule Soyouz, on dirait bien. Bon, par où maintenant on va? On peut pas sauter, ce serait trop haut. Par la porte là. Y a quoi par là? Non, ou pas. Eh, ne pars pas tout de suite. On n'a pas encore fini d'explorer. Ah, bon, d'accord. Bon, on n'a pas fini d'explorer. Qu'est-ce qu'il veut qu'on regarde encore? On peut tester les casques? Ouais. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans? Ça sent l'espace. Et la crasse. C'est un casque, ouais. On sait toujours pas par où faut aller. Là, on a fait le tour partout là. Ouais. Là, y a rien à voir en plus. Là, on peut pas accéder. Ah, bah voilà. Rentrer dans Spoutnik. C'est dingue. Oh. Ok. Waouh. Waouh. Regarde un peu tous ces boutons. Trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la.
les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain! Eh ben, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Ah, c'est sympa comme cadeau d'anniversaire, un petit vol dans la une petite fusée. Hey. Bienvenue sur Terre. Ouais. Hey, un pinch. Il est cool le pinch. Allez, in the pocket, et on va continuer notre aventure découverte. Alors, cette fois on peut passer par la porte, j'espère. Attends. Voilà, faut les demander. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller? Bah, on va sauter. Pas le choix, on dirait, hein. Voilà, hop. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens! Non! Eh, hey, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Allez. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. Il va sauter ou il va pas sauter? On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo! Un petit pouf, hein. Génial. Bon, ensuite. Bon, voilà, il y a les portes. Elle est fermée? Bah oui, normal. Bon, trouver un autre point d'accès. Eh, hey, fais-moi entrer. Ah bah voilà. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Nous voilà entrés, alors. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Bah, essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment.
Ok, bon. Fais gaffe. Alors. Il y a des dinosaures dans le coin. Forme d'histoire naturelle. Naturelle. Oh. Ah, oh, garde le moral, mon vieux. Ouais, se faire bouffer comme ça. Qu'est-ce que j'ai tué pour eux? En voilà un qui en manque de câlin. Ouais. Et tuer comme ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Pas grand-chose, à part encore un truc écrit. Il fait sombre ici. 4 soldats à l'entrée, le dernier a pleuré. Ok. Du bruit, c'est pas ça. Il y a rien quand même. Ensuite, on a torturé la femme, elle s'est noyée dans son sang. Sympa, c'est sympa ça. Merde, j'ai plus de torche. Hop. En plus, il n'y a que 5 balles, on va pas aller bien loin. Montre-toi, putain. On sait pas. On va prendre un truc écrit là. Les vagabonds qui sont introduits dans le camp, ils voulaient juste quelque chose. Là, il y a un bout de papier avant de jouer. Là. Les gamins qui se sont mis à courir. Bon. On peut passer, il y a juste un petit trou là, donc pas le choix, faut qu'on passe par là. Une bouteille, il y a quelque chose au sol là. De l'alcool. Bon, après. Qu'est-ce qu'il y a de beau à fouiller par ici? Du tissu, nice. Ah bah voilà, on va pouvoir faire le plein, chouette. Qu'est-ce que c'est ça? Nous voulions mettre un terme à la souffrance, nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, cela... Nos chefs nous disent que c'est pas bien. Aujourd'hui, un groupe de 10 est dissous, il nous reste plus que nous, plus rien. C'est cela qui a senti ma colère. Je ne veux plus faire partie du groupe, enfin voilà. Ok. On se reprend quoi. Après là, c'est... Il n'y a pas de lumière. Bon. J'ai fait le tour, il n'y a plus rien à prendre ici en fait. Ah si. Donc on peut comme rien faire. Alors, par où qu'on va? Oh putain. Putain d'animaux en toc. Ah bah. Loup, ours. Oh, fuis les moucherons, on s'est enculé de sanglier. Oh putain. Ah, je l'ai pas vu arriver. Hein. Enfin, on l'a senti passer. Menteur. Elle est. Je suis là. C'était quoi ça? Rien, ouais, c'était juste un animal. Libellule.
Allez, on se bouge. Ah, on va faire un feu avant qu'il fasse Luciole. Donc en fait, les Lucioles, ce seraient des menteurs. Ok. Tu viens. Seattle, jour 2. Bon bah. S'entraîner. On peut faire un petit chouille. Allez. Ouais, parce que je suis pas très doué, hein. Effectivement, on a entendu des bruits de grésillement de radio. Donc, on va aller regarder ça. Alors, il fait déjà grimper, si je ne me trompe pas. Là. C'est au fond, à gauche. À côté là. Pas par là. Voilà la porte là. On grimpe à gauche. Voilà. Ah, ça dégueule sec. Tu me trouves toujours canon là. Carrément. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Du bien. Écoute, je suis vraiment désolée pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de scars? À vous. Ce ne sont pas des scars. Il s'agit d'un homme seul. Ah, c'est Tommy. C'est Tommy. C'est où le secteur 14? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Il reste. Il reste. D'accord.
Bon, on va aller voir ça, hein. Tina. Ouais. Ça va pas fort. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Oui, d'accord. Attends. Tiens, mets ça. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. T'as tort. Un petit peu de temps en temps, ça aide, hein. Donc, nous arrivons à Hillcrest. Bon, ok. Ok, Hillcrest. C'est le bon endroit? Ouais, c'est le bon endroit. Ah oui, vu les coups de feu. Ça doit être Tommy. Chier. Bon, ben. On va déjà fouiller un petit peu, je pense que ça pourrait être pas mal. Et la direction. Cours de Tommy. Avec le WLF en vigueur. Tous les intrus des soldats du WLF doivent être suivis. Collaborateurs de la Fédération exécutés. Bon, c'est sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à prendre par là-dedans? Il y a Pam qui vit, c'est déjà bien. C'est déjà bien aussi. On peut passer par l'autre côté, mais bon. Quelque chose. Ah, un ciseau, parfait. Là derrière, nous avons une petite ressource. Là, c'est vide, il n'y a rien à prendre. Là aussi, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là-dedans, c'est fermé. Ah, voilà, on peut descendre. Hein. C'est jamais bon d'habitude. Ah. Garage. Chaufferie, on va dire, entrepôt. Ah tiens, alors déjà là dedans qu'est-ce qu'on a de beau? Les munitions, ça c'est bon. Ensuite des ressources, une, ça aussi c'est bien. Qu'est-ce qu'on a reçu encore ici? Un dessin, on dirait. C'est plutôt pas mal. Le anniversaire papa, meilleur tueur de claqueur. Ok. Figurine. Un arc. Ouh, ce serait bien ça, un arc. Tire à l'arc de Sun Valley, première place.
Alors, y a rien d'autre, hein. Non. C'est pas là. Pas plus. Est-ce que je peux modifier quelque chose? 36. Ah non. Combien? C'est 50 ou 70 pour modifier celui-là. Tant pis. Bon, bah, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Hein. Okay, là, pour l'instant, il n'y a rien. On n'a pas assez, donc on peut rien faire. Ah, c'est quoi, un truc de sport, ça? Bon, enfin, c'était. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Là, on arrive dehors. Il doit bien avoir quelque chose à récupérer, quand même. Cuisine, on va voir, c'est un petit truc à prendre. Ah oui, une bouteille d'eau, de l'alcool, c'est plein. Non, il n'y a pas plus, hein. Bon. Alors ensuite, yep. Comment pour monter? Merde! Ces connards sont trop nombreux. Tiens bon, Tommy. On n'a pas le choix, on contourne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le bout là derrière, c'est fermé. Merde. On peut faire le tour, non? Non, non. On peut pas faire le tour à première vue. Ensuite, alors, on a la barrière. Et l'échelle. On va d'abord faire un tour de l'autre côté. Je pense qu'on peut passer en enjambant le grillage. Bingo. Il y a bien quelque chose dedans, je pense. Encore une petite lettre. Les Wolves sont introduits dans le QG de la Fedra et ont trouvé la liste des effectifs. Ah, ça c'est moins bon. Je n'ai pas trouvé Alfie. J'ai laissé son stock de nourriture sur ton Porsche. Si jamais je n'en reviens pas, fais-lui plein de caresses de ma part. Ah. À mon avis, ça va être un chien, je pense, ou une bestiole. Ou des armes. Des munitions, bien. Là, on est revenu un petit poil en arrière, mais c'est pas trop grave. Bon, on va prendre l'échelle là-bas, puis on va continuer. Alors, on peut là rien. On n'a pas trop le choix, passer par ici. Hein. Engouffrer là-dessous.
Putain. On sécurise le périmètre, tant qu'on n'a pas d'autres ordres. Ouvre l'œil, au cas où il se pointerait. Oh chien, c'est bien ça. J'ai quelque chose. Mais merde. Les infectés. Comment? Ça, c'est moins cool, les chiens. Alors, maintenez R1 pour visualiser vos traces olfactives. Ah putain. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut bastonner. Où je m'éloigne comme ça le chien peut pas me sentir. Putain, il est là, chercher le chien. Voilà. Putain, je vais sniper le chien. Allez hop, chien, un peu ici. Des munitions. Putain, il y en a un juste là. On va passer où? Là-bas. C'est sur une chier d'un coup. Allez, fais tour. Oh putain. Elle est allée là, derrière. Ouais, t'inquiète pas, je vais t'avoir. Tiens, hop. L'enfoiré. Ah là, non mais c'est pas... En plus, j'ai récupéré la hache. Ok. De la munition aussi, mais ils sont encore combien là? Il y en a un... Encore de nouveau en chien. Il y a les petits clips qui arrivent. Chope-la ! Ils sont là ! Putain, allez, les chier. Putain, je vais capturer qu'on soit vite. Il est là. Ah, bordel de chien. Voilà, ça c'est fait. C'est dommage pour le kleps, hein. Je voulais pas, hein. Mais bon. Hein. Arrête de gueuler. Bon, qu'est-ce que je peux récupérer de ceux que je viens de descendre? Rien. Par contre, je peux refaire soit le silencieux, soit le kit médical. On va privilégier le kit médical, hein. Ah ben, je peux faire les deux, nickel. Et là, j'ai que 15, donc je peux rien faire en plus. Si, je peux encore faire quelque chose. Ah, je peux encore améliorer ma hache. Parfait. Hop. On se les nouveaux à plein. On va prendre le petit silencieux ou bien. Ouais, ouais. Scotch, parfait. Ah, ça c'est par derrière, je crois. Il y a peut-être des scars dans le coin. Putain, on a nouveau une cargaison par là. Oula, moins une. Allez hop, tiens, hop, snip. On va récupérer une balle, ça c'est chouette. Et là, encore combien? En face, en juste là. Putain, en plus avec l'éclipse. Alors ça, c'est pour poser juste ici. Ah, putain, je suis trop con. Je suis à faire avoir à ma propre bombe. J'étais trop près. Donc je vais même pas en poser, je crois que ce sera plus simple. Donc celle-là, on va se la rechoper vu qu'elle va revenir vers moi. Non, même pas. Elle a changé d'itinéraire. Chut. Oh, grave, on va quand même se la faire. Après, on a le kleps qui est juste là. On va laisser venir gentiment et snip. Il a fait la question. Allez, 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 allez. Allez, un coup de hache, un chien, et après finir le dernier. Allez, tiens-toi, allez, hop. On court et clac, allez, hop, tiens. Voilà, je pense que j'ai fait le ménage. Ah non. Il est où le dernier qui me tire dessus? Ah, c'est le plan qu'il a derrière. Allez, viens là, montre-toi.
Putain. Oh, c'est bon, cette fois je crois que je l'ai eu. Alors, soigner parce que. Okay. Bon, qu'est-ce que je peux construire? Allez, d'abord on se. Voilà, ça je suis au taquet là. Et je dois faire un kit médical. C'est nickel. Alors. Une petite munition, parfait. Est-ce que je change? Ça pourrait être sympa. L'autre, il me reste juste un, donc c'était pas bon. Et on peut améliorer. Parfait, voilà, ça c'est fait aussi. On va aller regarder un petit peu si on trouve quelque chose d'intéressant. On a quoi? Alors, rien, c'est pour juste passer. Et derrière, on a. Mon bâtisse où il y a peut-être quelque chose. Il n'y a rien. Pas non plus. Il n'y a pas grand chose à prendre par là. Hein. Ah, c'est, là, il y a du tissu. Prendre là-dedans, il y a rien, chou blanc, j'ai vu un truc, ah non, c'est une brique, ici qu'est-ce qu'on a, de l'alcool. Bon, là derrière on peut pas accéder donc tant pis. Par là, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? À part la porte où c'est marqué exit, on n'a rien d'autre donc c'est parti. Sécurité avant tout. Bon, qu'est-ce qu'on a par là? Une bouteille. Pour faire un petit silencieux. Sinon, on n'a rien. Ah, WLF pour les wolves. Ensuite, bon, on n'a rien par là, ok. Alors, par où va-t-on? Là, on peut pas aller. Là non plus. Là, on est coincé. Ah, on peut ouvrir les grillages. Ah, il y a une poubelle. Bon, ça va nous servir à quelque chose. Oh, fais chier. Quelqu'un a entendu? On va espérer que non. Hein. Ouh, il y a deux, trois trucs intéressants à prendre. Ça, c'est fait. Non, les poupes, elle vient par là. Et soit faut que je la monte sur la rampe, mais elle va redescendre. On va voir si je peux la mettre sur le côté plutôt. Là, on est pas mal. Hein, vache. Oui, non. Ah bah, trop court. L'idée était bonne, mais trop court, trop court. Bon, on recommence.
Oh. Ah, il monte tout en haut comme ça. Plus de chance. Hop, vite. Allez, allez, allez. Bingo. Ça, c'est fait. Parfait. Bon, bah, on descend, hein. Ça a marché. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite par là? Ah, d'atelier. Un petit tour du proprio. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Maurice, je suis vraiment désolé, sérieux, ce que les vols font fait à Sophia. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. J'ai pensé tout le monde à tenir tête au Wolf quand elle s'est mise à peindre par-dessus leurs règles. J'aurais dû faire plus pour l'en dissuader. Je n'ai rien dit et je pensais qu'elle arrêterait. Bon, ok. Les gens vont se retourner vers toi pour savoir comment réagir après l'épidémie. Tu étais concerné comme un chef, considéré comme un chef ici. Il faut que tu redeviennes chef. Bon. Bon, Alice. Alors là, on a déjà plein de petits. Truc intéressant à prendre, ça c'est fait. Et puis après, bah, on va pouvoir peut-être faire un peu de modif, on va voir. On va d'abord faire un petit tour des proprios. Des armes, parfait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, après là on ressort, donc on va déjà voir s'il y a encore un truc à prendre là derrière. Pas par l'air. Une petite modif, est-ce qu'on peut modifier quelque chose? D'abord prendre ça au fond, voilà, parfait. Le kit médical, on en a plein, et on peut modifier. Je vais en faire un kit, voilà, et je crois que c'est tout, il n'y en a d'autres. Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut modifier? Bah, pas mal de choses. Le fusil. Alors, qu'est-ce qu'on peut modifier sur le fusil? La stabilité, la capacité. Ah. Plus de capacité. Lunettes, j'ai déjà. Après, la stabilité, c'est pas mal, hein. Voilà, au moins j'ai le fusil qui sera un petit peu plus stable. Bon, ben voilà, je crois qu'on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait déjà de nouveau une très belle avancée dans ce jeu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner ici à ma chaîne. Et puis, à tout bientôt. Allez, ciao, ciao.